T'es pas fou, t'es pas fou. Tu vas à 5h du matin pour aller à la pêche. Gna gna gna. Elle m'énerve. C'est pas elle qui se lève. T'es pas si matinale quand faut aller au boulot. Oh, les femmes, ça n'y connaît rien à la pêche. C'est le matin de bonne heure qu'il faut être là. Pas à 10h. À 10h, les poissons, ils sont mangés, ils sont partis se promener. Tandis qu'au travail, quand t'arrives à 10h, il y a encore du boulot. Non, c'est le matin à la fraîche, quand la brume à peine levée drape encore de son voile le miroir de l'eau sous l'œil émerveillé des canards endormis. Bon sang, là que je fais de la poésie maintenant, ça s'arrose. Ça n'y connaît rien dans le poisson. Et puis, tu les prépareras, enfin, si tu en prends. Oh, elle m'énerve! Elle est même pas capable de préparer du poisson. Ça met des écailles partout. Bah oui, un poisson, ça a des écailles. C'est pas bon, c'est plein d'arêtes. N'importe quoi. Les poissons de rivière, ça a pas plus d'arêtes que ceux de la mer. Ils sont plus petits, c'est tout. Alors on a l'impression qu'il y en a plus. Les femmes, ça n'y connaît rien dans l'arête. Enfin, rien de tel que la pêche pour être débarrassée des femmes. Vu qu'elles n'aiment pas ça, me voilà bien tranquille. Ah non, si en plus il fallait scoltiner la bourgeoise qui fait du canevas, le bulle dans le sous-bois, ou alors entendre le cliquetis des aiguilles qui tricotent toujours les mêmes pulls. Ah non, non. Le pire, c'est quand elle nous demande. Dis donc, le père, n'a rien à faire ici en trois lettres. Toi. Non. Moi, ce que je préfère, c'est d'être tout seul, tranquille, avec ma canne, mes verres, mon muscadet. Franchement, on n'est pas bien là. Pour pi.
pour Pi. Oh, ça va, on a compris. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors, ça... Non, d'ailleurs, comment voulez-vous que ça morde? On peut jamais être tranquille. Peut-être qu'il y a pas de poisson. Oh si, il y a du poids et il y a du son. C'est moi qui vous le dis. D'ailleurs, vous pouvez pas dire à votre danseuse d'arrêter de sauter sur place? Ça me fait sortir les vers. Vous avez des vers? Mais les vers de terre. Quel vers de terre? À sauter comme ça, vous me faites sortir les vers. Oh, vous y connaissez rien en vers de terre. Ça fait des vibrations, eux ils pensent qu'il pleut, alors ils sortent. Alors, les vers, c'est bon pour la pêche, non? Ouais, mais pas les joggers, ok? Mais je cours où je veux, si je veux, ok. Bon, ça va Jean-Pierre, n'agace pas, déjà que ça mord pas. Quoi? Non, je dis, comme ça mord pas, enfin je dis, quand ça mord, ça va, hein. Mais quand ça mord pas, faut être patient, non? Ouais, patient, et tout seul. Et tout seul, évidemment. Allez, Jean-Pierre, on repart. Comment ça, on repart? Si je veux rester ici, je peux, non? C'est pas réservé aux pêcheurs. Ouais, bah tu sais ce qu'il dit, bébé? Oui, le bois, il a tout le monde. Mais c'est qui m'agacerait, le toutou? Allez, à la niche! Marcel? Ouais, écoute, Jean-Pierre, viens un peu plus loin, faut le laisser tranquille. Voilà, comme il dit, faut le laisser tranquille, le Raymond. Sinon, il s'énerve, le Raymond. Et quand le Raymond, il s'énerve, c'est pas bon. Ça s'énerve un pêcheur. Je croyais qu'il fallait être calme. Oh, un pêcheur quand ça mord, ça va. Mais quand ça mord pas, ça peut mordre. Non, je dis, un pêcheur quand ça mord, ça va. Mais quand ça mord pas, ça peut mordre. Tu comprends? Pas vraiment. Bon. Non, je dis que c'est le pêcheur qui peut mordre si ça mord pas. Enfin, c'est comme l'histoire du gars qui se prend avec son chien et qui croise un pêcheur. Je vais le raconter, il va rigoler. Dites, vous connaissez l'histoire du gars qui se prend avec son chien puis qui rencontre un pêcheur? Non. Ben, ça tombe bien. C'est l'histoire d'un gars qui se prend avec son chien puis rencontre un pêcheur. Et là, il lui demande, alors, ça va? Non. Non mais, c'est pas vous que je demande, c'est dans l'histoire. C'est le gars qui dit au pêcheur, alors, ça va? Le pêcheur répond non. Alors le gars, il lui répond, ça va venir. Et là il lâche son chien. Ce chien qui va mordre le pêcheur parce qu'il dit que ça mord pas. Non? Non. C'est pas drôle? Non. Bah si, elle est drôle. Moi je l'imagine bien le pêcheur courir devant le cabot. Non. Bah si, c'est bête un pêcheur. Ouais, bah le pépé de tout à l'heure, il va prendre sa canne et ça va pas être pour pêcher. Ouais, il a pas facile le Raymond. Allez, viens Jean-Pierre, on a pas fini le jogging. Et on commence à se les cailler. Comme Gilles. Bicho.
Ça marche? Ben je ne pêche pas moi. Ben, c'est le pêcheur qui me dit de te demander si ça marche. Ben, faut pas me le demander à moi, faut y demander à lui. Dites-moi, monsieur le pêcheur, est-ce que vous savez si ma femme est morte? J'en sais rien, moi. À qui? C'est à votre femme qu'il faut demander. Et à qui il faut que je demande si ça mord? Personne, puisque ça ne mord pas. Ben voilà, fallait le dire. Tu vois, ma biche, ça ne mord pas. Apparemment, non. Piouk. 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 Vous aussi? Quoi, moi aussi? Vous aussi, vous êtes un piouk? Je suis pas un piouk, moi. Je vous dis piouk, vous me dites piouk. Bah alors pour moi, bah vous êtes un piouk. Attention à ce que vous dites, hein, je suis pas un piouk. Bah moi c'est piouk, Bernadette piouk. Et vous, votre nom, c'est comment? Ah, Raymond. Tout simplement, Raymond. Bah moi c'est piouk, Bernadette piouk. Et voici mon mari, monsieur piouk, Maurice de son prénom. Ah, mon piquet. Oh oui, ma biche. Mon père était un piouk. Mon grand-père était un piouk. Le père de mon grand-père était un piouk. Et le grand-père de mon grand-père était un... Piouk. Non, non, un piouk, non. Non, je sais pas ce qui s'est foutu, ils nous ont mis un U en mairie, on était des piouks, on était devenus des piouks, vous savez. Bon, ils ont de la chance, hein, ils auraient pu devenir des ploucs. Comment? Je pensais tout haut. Ah. T'as vu, Maurice? C'est tranquille, la pêche. Nous, elle ne pêche pas. Hein, Miguel? Oh non, ma biche. Ça bouge pas assez. Non. Nous, on préfère se promener et rester assis toute la journée. C'est pas notre truc, hein. C'est bon pour les feignants. Mais c'est pas ça pour vous, hein. Non, parce que je pense aux pauvres frères. Mais comme vous, ils pêchent. Ah bah ça, hein, mon Miguel? Oh oui, ma biche. C'en est un feignant, lui, hein. Le cul est assis sur une chaise toute la journée. Tout ça pour ne rien prendre. Bon courage. Merci.